découvrir une petite Russe, Svetlana Lyapina, que l'on connaît peu puisqu'elle est aujourd'hui dans le grand bain international. L'entraîneur Arkaïev l'a emmenée, elle a tout juste 14 ans et demi. Elle est fine, légère et aux barres asymétriques extrêmement téméraire. Ouh, et trop téméraire. Voilà, téméraire, beaucoup d'audace sur ce lâcher en Jäger, en salto avant. Mais légère comme une plume, vous avez vu comme Arkaïev a pu la rattraper et l'amortir sans aucun risque. Voilà, c'est un salto tendu entre les barres. Et voilà, elle est complètement déconcentrée. Ah, c'est terrible, une interruption de mouvement alors qu'on est bien lancé et qu'on a mémorisé toutes les difficultés qu'on doit exécuter. Eh bien, c'est un peu le fil qui est coupé. Et c'est le cas pour mademoiselle Lyapina, qui ne montera pas sur le podium de ces internationaux de France à Bercy, alors qu'elle avait sûrement beaucoup d'ambition, et elle en pleure. Oui, elle a tout manqué ici, malheureusement. Elle est rentrée en finale, c'est dire qu'elle avait bien réussi son programme auparavant pour se qualifier. Malheureusement, elle ne pourra pas concrétiser un premier rêve international. 9,70 pour Patrice Casimir au Cheval d'Arçon. Qui peut faire mieux? Eh bien, l'homme que vous allez découvrir dans quelques secondes, il est déjà en piste. Il a été vice-champion d'Europe et vice-champion.